today in the city of Montreal. Everybody had a story about Pat Burns. Hal Gill asked this morning, did he intimidate rookies? Gill said Pat Burns intimidated everybody. Tonight, both teams, you'll notice on the back of their helmets, a black sticker, PB, both teams in honor of a man who once coached them. Michelle Lacroix is the public address announcer. Mesdames, Messieurs, les Canadiens ont été attristés d'apprendre vendredi le décès de Pat Burns à l'âge de 58 ans, suite à une longue et courageuse bataille contre le cancer. Né à Montréal, l'ancien policier a fait ses débuts derrière le banc avec les Olympiques de Hull en 1984, avant d'être embauché par les Canadiens pour diriger leur filiale de Sherbrooke dans la Ligue américaine. Il a eu un impact immédiat avant d'être nommé entraîneur-chef des Canadiens en 1988-1989, menant l'équipe à une saison de 115 points et en finale de la Coupe Stanley, remportant le trophée Jack Adams une première fois en tant qu'entraîneur de l'année dans la LNH. The hard-nosed coach would go on to also earn that honor with the Maple Leafs in 93 and Bruins in 98 to become the only three-time winner of the award. With 501 NHL regular season wins and over 1,000 games coached, Burns reached the pinnacle of hockey in 2003 when he guided Brian Gionta, Scott Gomez, and the Devils to the Stanley Cup. Pat is survived by his wife Lynn, daughter Maureen, and son Jason. Please join us now for a look back at Pat Burns. Veuillez vous joindre à nous pour regarder une rétrospective de sa brillante carrière. I love you more.
Mesdames, Messieurs les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et la LNH souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille Burns. Veuillez maintenant observer un moment de silence à sa mémoire. Please join us in a moment of silence in his memory. Bien, messieurs, maintenant l'hymne national du Canada. Now the Canadian National Anthem by Mr. Charles Prévost-Linton. Porter les pays.